sculptés. Oh, alors, c'est un bon d'accord. Bon d'accord, oui. Voilà, je voudrais d'abord vous présenter tous les participants autour de cette table. Roland Barthes qui est à ma gauche, immédiatement à ma gauche, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Elliot Carter qui était un des compositeurs dans la semaine, Jean-Claude Risset qui est membre du team de l'IRCAM, responsable du département ordinateur, Michel Foucault. Nous avons Luciano Berio, qui est responsable à l'IRCAM du département électroacoustique, Michel Decoust, qui est responsable du département pédagogie, et Gérald Bellet, qui est en face de moi, qui est le responsable du département diagonal, c'est-à-dire du département qui est chargé de mettre les autres en relation et qui est concerné par tous les problèmes de l'IRCAM. Alors, je voudrais d'abord faire le point sur la semaine que nous avons eue et qui est une semaine d'études sur le temps musical. Ce n'est pas du tout une semaine dogmatique que nous avons prétendu faire. Nous n'avons pas voulu découvrir ce qu'est le temps musical, car il y a autant de formulations du temps musical qu'il y a d'œuvres, comme vous pouvez l'imaginer. Ce que nous avons voulu faire, à l'aide de 5 œuvres choisies comme exemple, c'est de définir comment ces 5 œuvres ont été des œuvres clés pour certaines définitions et certains usages du temps et de la musique. Je rappelle brièvement c'est les 5 notions dont nous sommes partis, ces 5 notions qui ont été explorées par 5 compositeurs différents. Le premier jour, nous avons abordé l'œuvre de Messiaen par une de ses pièces qui s'intitule « Mode de valeur et d'intensité » et qui est assez exemplaire pour le saut du temps comme on l'a habituellement, c'est-à-dire le temps métrique, le temps pulsé, dans un temps qui est purement numérique et où la perception est donc complètement différente de ce que l'on avait l'habitude d'avoir. C'est une perception qui a à faire avec des durées qui ne sont plus reliées à un rythme personnel, à un rythme de geste ou à un rythme corporel. La seconde œuvre que nous avons eue, c'était l'œuvre de Ligeti, qui est Camera Concert de Ligeti, et où j'ai analysé le temps de la texture, c'est-à-dire quand le temps d'une œuvre n'est pas uniquement en fonction de rythme, mais que l'organisation du temps est la même que celle des textures musicales. Et j'ai comparé un peu cela à la vision, par exemple, qu'on peut avoir dans les œuvres picturales qui sont de l'ordre de ce qu'on appelait le op art, c'est-à-dire qu'ils sont faites avec des patterns assez simples, mais qui, en se rencontrant, en jouant les uns avec les autres, font que la texture picturale est la texture visuelle est différente. Eh bien, dans Ligeti, c'est un peu cela que nous avons vu, le temps de la texture qui organise l'œuvre. Ensuite, j'ai eu le Stockhausen Zeitmasse, qui, comme le nom l'indique, comme le titre l'indique en allemand, veut dire mesure du temps. Et là, Stockhausen a essayé, pour la première fois, de dénombrer les façons gestuelles de concevoir le temps par rapport à l'être humain et à l'interprète. Alors, il y a naturellement un temps qui est tout à fait normal, un temps métronomique, je dirais un temps chronologique. Et puis, il y a des temps individuels qui sont dus soit à la réponse de l'individu au problème que représente soit la virtuosité, soit la difficulté, soit même des conditionnements physiques comme le souffle, la durée du souffle. Et il a amalgamé dans son œuvre ces différents aspects, ces différentes conceptions du temps pour arriver à justement une œuvre qui mesure le temps d'une façon différente suivant les critères que l'on a adoptés. Puis nous avons eu une œuvre de moi-même qui s'appelle Éclat et qui est basée au contraire sur le temps de l'objet, puisque tous ces critères de temps sont toujours des critères pensés, des critères excessivement subjectifs, puisqu'ils sont avant tout réalisés sur le papier avant d'être entendus. Ce sont des conceptions vraiment très analytiques, je dirais, du temps. Après cela, je crois que cette pièce, au contraire, montre la possibilité de réagir sur un objet musical. Ce qu'un objet nous donne est que le dialogue est essentiel entre l'objet purement musical, c'est-à-dire des objets résonnants dans ce cas-là, des objets qui meurent plus ou moins vite, et de voir les interférences que l'on peut avoir entre justement une décision et une absence de décision, une décision et une réponse
que nous donnons à l'objet musical. C'est donc un temps de l'objet, un temps complètement autre que les autres. C'est un temps vraiment beaucoup plus lié à l'événement, c'est-à-dire à ce qui arrive au dernier moment. Et enfin, hier, avec Elliot Carter, nous avons fait une œuvre vocale qui s'appelle « Mirror on which to dwell » et qui est une œuvre qui se base sur des couches de temps superposées. Au contraire de certaines libertés, par exemple, qu'on trouve dans Stockhausen, où chaque individu définit son propre temps, quoique la coïncidence ne fasse pas toujours d'une façon absolument précise, la volonté d'Elliot Carter est au contraire de trouver un temps de nouveau complètement mesuré, un temps donc numérique, mais avec des nombres différents, si bien qu'il y a différentes couches de temps, et ces différentes couches de temps forment un jeu très subtil. Par exemple, il veut non seulement noter des dimensions qui sont numériques, qui sont très concevables de noter numériquement, comme des durées les unes par rapport aux autres, comme des chiffres immobiles les uns par rapport aux autres, mais aussi il veut noter très précisément, par notation numérique, des quantités mobiles qui sont beaucoup plus difficiles à saisir, comme par exemple un accéléré ou un ralenti, que l'on, en général, on note au contraire très librement, et cela, il veut l'inclure dans une dimension du temps qui est absolument notée et qui est donc un temps modulé, ce que j'ai appelé. Voici donc les cinq œuvres qui ne prétendent pas faire un cycle et qui ne prétendent pas du tout aller d'une œuvre vers l'autre pour arriver à une conclusion définitive, mais c'est cinq définitions du temps que j'estime très importantes et que nous avons vues se dérouler l'une par rapport à l'autre, et que ce soir au concert nous écouterons justement l'une à côté de l'autre. Maintenant, je voudrais passer la parole à Michel Foucault qui va discuter avec les membres de l'équipe de l'IRCAM sur la nécessité d'une telle investigation et aussi les rapports du team de l'IRCAM par rapport à nos invités ce soir, pourquoi au fond nous les avons invités, pourquoi ils sont venus là, et quelle réaction d'échange peut provoquer une telle rencontre. Bon, bien comme vous l'a dit Pierre Boulez, je ne suis pas là pour parler, j'étais venu pour écouter, et auditeur je resterai. Seul rôle que je puisse jouer, ça serait celui de questionnaire, poser quelques questions à l'équipe de l'IRCAM. Bon, autour de quoi, sur quel sujet? Il ne s'agit pas évidemment de faire un bilan de ce qui s'est passé. Je crois qu'il faudrait d'abord se demander ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au cours de ces cinq soirées, et qui n'était ni tout à fait, ni même du tout, des répétitions publiques, ni tout à fait, ni du tout, des concerts commentés. C'était quoi? Bon, c'était d'abord quelque chose qui, je crois, nous a fait à tous plaisir. C'est peut-être de là qu'il faudrait partir. Bon. Bien sûr, l'idéal, ce serait de faire parler tout le monde, enfin l'idéal ou la catastrophe. Alors, on a choisi une méthode, inspirée d'ailleurs directement des méthodes de Pierre Boulez, c'est-à-dire l'effet grossissant. Vous savez, il découpe quelques mesures, il prend quelques instruments, il les isole et puis il fait voir ce que c'est. Alors, supposons la même chose. Je suis un auditeur moyen, plutôt un auditeur au-dessous de la moyenne. Et puis, il y a l'équipe de l'IRCAM. L'équipe de l'IRCAM, qui se trouve associée à cette entreprise de plusieurs façons. D'abord parce que, si vous voulez, elle était à la fois auditrice et créatrice. Elle est des deux côtés de la barrière, parce que les séances auxquelles on a assisté sont tout de même le résultat d'un travail collectif, qui est le travail collectif de l'IRCAM. Parce que je crois que l'IRCAM se fait une certaine conception et de la musique et du rapport du public à la musique, et puis parce que c'est l'équipe de l'IRCAM qui va maintenant définir, élaborer ce qui va se passer les années suivantes dans cette ligne ou dans une ligne plus ou moins sinueuse à partir de là. Bon. Lorsque, je crois, on a discuté les premières fois de ce genre de programme, de quoi est-ce qu'on est parti? Il me semble que dans la première discussion, je me trompe peut-être, vous m'arrêterez si ce n'est pas ça, il me semble que dans la première discussion, on était parti de quelques constatations très simples. D'abord, il est vraisemblable qu'aucune forme d'art aujourd'hui, aucune forme d'expression, quelle qu'elle soit, n'atteint autant de gens, et quand je dis atteint, je voudrais dire secoue, passionne, etc. Aucune forme d'art donc n'atteint autant de gens que la musique, et la musique sous toutes ses formes.
plus savante jusqu'au plus, disons, populaire, au sens fort et plein du mot populaire. Bon, Edda. Deuxièmement, la musique savante, au moins depuis le début du XXe siècle, depuis Schoenberg en gros, si vous voulez, n'a pas cessé de cavalcader au-devant non seulement des formes esthétiques, mais d'une façon générale, formes d'expression, de pensée, etc. Et sans qu'au fond, on n'en ait jamais très bien pris conscience, ni tiré sans doute toutes les conséquences. Enfin, troisième constatation, c'est que le discours sur la musique a toujours été soit un discours de compétence intérieure à la musique, soit un discours de consommation, plus ou moins régulateur ou policier, discours du goût, ou bien encore un discours d'écho, de résonance, d'œuvre à œuvre. Hier soir, justement, avec Pierre Boulez, on parlait de ce phénomène que, au fond, d'œuvres littéraires qui soient en résonance avec la musique ou de musique qui ait eu des échos dans des œuvres littéraires, il n'y en a guère eu qu'une dans les temps modernes, ça a été Wagner, avec Baudelaire, avec Mallarmé, avec Thomas Mann, avec Hermann Hesse. Et je me souviens qu'hier, ou plutôt ce matin, en réfléchissant Proust. À ça, Proust, j'ai pensé qu'on avait oublié un nom. On n'a pas cité du tout hier. Et il y a 5 ans, on l'aurait cité en premier, tout simplement Nietzsche. C'est vrai. Bon. Donc voilà, je crois, les constatations dont on était parti. Bon, il ne s'agit absolument pas de résoudre tout ça, et je ne crois pas que l'entreprise de Pierre Boulez et de l'IRCAM, ça soit de, de faire entrer la musique dans un grand rituel de communion générale. Parlons tous de la musique, faisons tous de la musique. Il ne s'agit pas de créer un orphéon social. Mais je crois, il me semble que le problème qu'on a essayé de poser, vers lequel on s'oriente, et est-ce qu'il est possible, non pas tellement de parler sur la musique, mais de parler à côté, de parler à partir de la musique, en dérivant d'elle, en déviant à partir d'elle, en se déplaçant par rapport à elle, en se mettant en mouvement à partir d'elle, parler de la musique sans que ce soit parler sur la musique, disons en gros, est-ce qu'il est possible dans un discours quelconque de la capter comme une force plutôt que de la capturer comme un objet ? Bon, et est-ce que ces discours, c'est la seconde question, je crois, le second problème qui nous a orienté, est-ce que ces discours qui essaient de capter la force de la musique, on peut les brancher, non pas simplement sur le simple jeu de la réception ou de l'émission-réception, mais sur le jeu de la fabrication même de la musique. En gros, le rapport formation-perception de la musique. Bon, je dirais, en somme, il s'agit de parler de la musique au sens où on peut dire « revenir de loin ». Après tout, ce n'est pas très nouveau, quand les pythagoriciens, et je pense beaucoup de Grecs, parlaient de la musique, ils ne parlaient pas sur la musique. Ils parlaient en dérivation par rapport à la musique. Je crois qu'au Moyen-Âge, il y a eu toute une théologie, toute une cosmologie de la musique qui partait de la musique et qui ne parlait pas sur la musique. Bon, voilà, me semble-t-il, un peu le sens général du projet. Alors, là-dessus... peut-être l'équipe de l'IRCAM ne sera pas tout à fait d'accord. En tout cas, moi, je voudrais lui poser 3 ou 4 questions rapides. Premièrement, la question suivante. Une séance m'a frappé plus particulièrement que les autres, non pas du tout qu'elle m'ait plus intéressé que les autres, mais sur un point précis, elle m'a très frappé. C'est la séance de dimanche soir avec Stockhausen, où il m'a semblé qu'on avait là 2 choses qui s'entrecroisaient, qui étaient d'une part... ce qu'on pourrait appeler schématiquement, et d'un mauvais mot, car ce n'était pas ça, une audition commentée, enfin en tout cas une audition analytique, et puis en même temps une répétition. C'est-à-dire qu'il me semblait qu'il y avait 2 opérations qui se déroulaient en même temps, qui s'entrecroisaient, que Boulez avait en quelque sorte la langue fourchue, puisqu'il parlait à la fois aux auditeurs et aux musiciens. Et il faisait travailler les musiciens, et il faisait progresser les musiciens par un certain nombre d'explications qui s'adressaient aux auditeurs, par-dessus l'épaule des musiciens, et inversement, il apprenait tout un tas de choses aux auditeurs en faisant effectivement travailler des musiciens sur une musique difficile et pour laquelle ils n'étaient pas encore tout à fait au point. Bon, alors, la question que je voudrais poser et qui s'adresserait alors peut-être aux
Celui qui s'occupe plus précisément de la pédagogie à l'IRCAM, c'est un peu cela. Étant donné que ce n'est pas une répétition publique, que ce n'est pas non plus une audition commentée, qu'est-ce que c'est que ce travail-là et de quel effet est-ce que ça peut être sur les interprètes eux-mêmes? Autrement dit, quand un chef d'orchestre ordinaire fait répéter, il est certain qu'il ne donne pas ce genre-là d'explication à ses interprètes. Répondre tout de suite. Oh bah. Bien, je pense que effectivement, vous avez souligné dans l'ensemble des soirées celle qui a été le plus ambiguë, je dirais, car elle a effectivement eu ce double aspect de faire progresser la technique instrumentale et de faire progresser l'audition. Pourquoi ? Pour une raison du côté instrumental, c'est que la pièce reste une œuvre excessivement difficile et qu'elle reste, je dirais, périlleuse, même lorsqu'on la sait. Donc, le temps qui sépare la première répétition ou la répétition qui précède et le moment où on va jouer, s'il n'y a pas une hypertension de l'instrumentiste, il y a effectivement ces petits anicroches. Hein, c'est quelque chose qui ne se refait pas immédiatement. Sauf si c'est en concert. Et là, on aboutit à un point important, c'est que malgré tout, nous étions dans une répétition, et bien que les instrumentistes soient tendus, ils n'étaient pas tendus au point de donner une exécution unique. On savait qu'on allait pouvoir recommencer. Là, je me mets à la place des instrumentistes, mais je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé. D'autre part, pourquoi ceci a été peut-être plus intéressant pour celui qui écoutait, de voir la progression instrumentale? Eh bien, d'abord parce qu'à travers cette progression instrumentale, on peut effectivement, dans un premier temps, voir la difficulté, ça c'est, je dirais, le côté le plus banal, mais surtout, on peut entendre ce qui se passe, la différence qu'il existe lorsque la performance est acquise et lorsqu'elle n'est pas réussie. Et là, je pense que c'est une formation, si vous voulez, au niveau de l'écoute, qui est importante, parce qu'elle montre tous les degrés de la manière dont se fait la musique. Et justement, cette musique, pas seulement, vous allez être ma soeur, mais là, c'était évident, que si, dans le groupe de 5 notes, ou dans le groupe de 7 notes, l'intensité, par exemple, n'est pas absolument celle qu'on devrait avoir, ou si la hauteur n'a pas été atteinte, ou si l'accent n'a pas été donné, l'exemple que voulait démontrer Pierre Boulez ne passait pas. Donc, on avait comme une approche imprécise et on pouvait régler l'objectif. Voilà ce qui, pour moi, me semble, sur le plan pédagogique, important. Et je pense que il serait, si l'on continue ce genre de travail, ou si l'on veut entreprendre ce genre de travail avec des instrumentistes, un public, des élèves, ou ainsi de suite, et former l'oreille, je pense qu'il est très important de prendre des œuvres qui nécessitent des acrobaties, je dirais, presque instrumentales, de quelque ordre qu'elles soient. Hein, ça peut être des acrobaties de tension, des acrobaties de rapidité, des acrobaties de souffle, des acrobaties d'intensité, pour que justement, à la fois l'instrumentiste et le public voit les différences qui existent et puisse petit à petit construire en même temps que celui qui commente l'objet que l'on va entendre. Bon, et alors il y avait une autre question que je poserais, je ne sais pas si c'est à l'homme de la Diagonale ou à toute l'équipe de l'IRCAM. Une chose qui m'a beaucoup frappé, moi, dans les analyses qu'a présenté Pierre Boulez, c'est qu'au fond, il n'a jamais rien dit de plus que ce qu'il y avait et de ce qu'il y avait explicitement dans la musique. Bon, si on prend par exemple une analyse d'œuvres d'art comme celle que Panofsky pouvait faire, bon, on voit dans les analyses de Panofsky finalement ce qu'il faut de détour pour arriver à voir ce qu'il y a effectivement dans une peinture. Je ne veux pas dire qu'il montre autre chose que ce qu'il y a dans la peinture, ni qu'il applique une grille externe à quelque chose qui serait le tableau, c'est effectivement dans la peinture, mais qu'elle n'est pas le champ immense de référence qu'il faut parcourir pour arriver à voir ce qu'il y a dans la peinture. Bon, moi, ce qui m'a frappé dans les analyses qu'a faites Pierre Boulez, c'est qu'il n'y avait pratiquement
aucune référence externe, il n'avait besoin d'aucune référence externe, il avait à peine besoin d'histoire de la musique, il a parlé à plusieurs reprises, je crois, il s'est référé à Nos, il a montré le rôle historique important de la pièce de Messiaen, etc. Mais enfin, il ne parlait jamais que de ce qu'il y avait effectivement dans la pièce qu'il étudiait. Il faisait tout le contraire de M. Croche, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas de la musique comme d'un tableau, et il ne disait rien qui n'était au fond audible dans la musique. Audible, mais pourtant qu'on n'entendait pas. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai été frappé d'une chose, c'est que quand on entendait ce qu'il dirigeait avant toute explication, on avait une certaine audition. Bonne ou mauvaise, peu importe, on avait une certaine audition. Il donnait cette explication proprement interne à l'œuvre, et on écoutait à nouveau. Et en écoutant, on avait une autre perception, une autre audition. On ne pouvait pas dire qu'on entendait de la même façon, même si on entendait la même chose. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on entendait ce qu'il avait expliqué, on ne peut pas dire exactement qu'on reconnaissait. Bon. Alors, il y avait donc tout un travail de l'explication sur l'effet perceptif, un travail spécifique et qui n'était pas simplement, je crois, de pure et simple analyse, de pur et simple déchiffrement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Autrement dit, selon vous, qu'est-ce que fait une analyse comme celle-là sur l'oreille au sens large du terme, d'un auditeur qui n'est pas un spécialiste de musique? Ça, c'est une question complexe parce qu'il y a deux choses en même temps. D'abord, la musique a toujours les deux faces. En même temps, il y a une exécution où quelque chose se passe, où il y a quelque chose de vivant qui est à peine saisible dans les analyses. D'autre part, il y a un texte écrit, il y a aussi un être un peu plus abstrait qui est cette pièce, la musique. Quand on fait une analyse, je crois, on peut très bien former l'oreille, on peut très bien tirer l'attention pendant un certain temps certaines choses. Et ce que était fait dans ces soirées-là était de donner une perspective assez abstraite et assez analytique à cette œuvre. Mais quand vous entendez une section plus large, plus grande, plus longue, il y a tellement de choses qui se passent parce qu'il n'y a pas seulement cette couche dans la musique. Il y a énormément de choses qui se passent. Il n'y a pas seulement le côté analytique. Il y a aussi les gestes, tout le côté affectif de la musique. Et là, dans une analyse, on ne capte pas très bien le côté affectif. Et quand vous êtes confronté par ça, en écoutant la musique, pas vous personnellement maintenant, mais on se perd. Oui. Ceci dit, le grand avantage de pouvoir jouer un passage plusieurs fois, c'est qu'au fur et à mesure, on peut s'orienter, on peut incorporer plus d'aspects en écoutant. Et je crois que c'est ça le grand avantage. D'abord, on se concentre sur le côté analytique. De plus en plus, on incorpore des autres choses en même temps. Mais il n'y a pas que ça. Les analyses étaient peut-être un peu... on n'a parlé que peut-être d'un côté de chaque œuvre. Le côté, disons, presque plus intellectuel, le côté qui expliquait la manière dans laquelle l'œuvre était faite. Mais chaque œuvre contient beaucoup plus d'autres choses en même temps, et c'est ça qui est un peu dégoûtant en écoutant. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Oui, peut-être dans le cas de ces séances, auxquelles malheureusement je ne peux pas être présente, et que, étant donné que j'étais dans les mains du meilleur avocat de la musique, Pierre Boulez, je pense qu'il y avait le spectacle. Je pense que c'est toujours une merveille pour ceux qui ne sont pas musiciens de voir la musique qui s'est faite sous ses yeux, de voir la difficulté, de voir même les techniques spécifiques des instruments. Et on a ainsi l'illusion, quelquefois pas seulement l'illusion, c'est une réalité, de dépasser cette complexe d'infériorité de la part de ceux qui ne sont pas musiciens. Et ainsi s'approchant à la musique. Et je pense aussi d'ailleurs que ça c'est un thème évidemment qui doit être peut-être développé par nos amis philosophes, c'est-à-dire que la signification, le centre de la musique, ce n'est jamais dans la musique elle-même. Alors n'importe quelle analyse n'explique jamais, comme disait justement Gérald Bennett,
la signification, le sens. Même si on revient pour le moment à l'idée du temps musical, si on veut décrire le temps musical, on ne peut pas. Enfin, pas seulement parce que chaque œuvre présente une idée du temps, chaque poétique, chaque compositeur a sa direction dans le temps, mais aussi parce que les descriptions du temps musical sont toujours basées sur des descriptions d'ordre, je dirais, morphologique. Dire qu'est-ce que c'est le temps musical, c'est comme dire qu'est-ce que c'est le langage dans la littérature, l'espace dans la peinture. C'est un sujet tellement vaste qu'on ne termine jamais de le découvrir. Même quand on dit qu'est-ce que c'est le temps musical de Stravinsky, ou je sais pas, qu'est-ce que c'est le langage, la langue d'Italo Calvino, ou l'espace de Cézanne. Même là, si on ne fait pas recours à de notions de style, de poétique, de contexte, on ne peut dire jamais un résultat véritable. Et alors je pense que cette séance est très, très importante parce que avec la présence des musiciens, avec l'explication de certains niveaux tout à fait partiels de l'œuvre, on avait quelquefois l'illusion d'entrer dans l'œuvre. Je dis illusion parce que, par exemple, j'ai pu assister à seulement à la dernière séance d'hier soir avec la musique d'Elliot Carter. Et d'ailleurs, je me demandais quelquefois que les mêmes catégories, les mêmes façons de nommer les choses, beaucoup de fois pouvaient être appliquées à d'autres musiques. Disons, prenez les musiques classiques où il y a des tenues de voix, de l'harmonie avec une flûte rapide. Enfin, ce sont des catégories générales qui elles-mêmes n'expliquent jamais un sens. Le sens de l'œuvre de Carter, n'importe quelle musique, est toujours ailleurs. Je voudrais en venir juste sur une toute petite chose. Vous avez dit que j'avais la langue bifide tout à l'heure. Fourchue. Fourchue. C'est l'explication. Rien de bipérin, hein? Non, rien de bipérin, ça j'imagine bien. Mais je veux dire, les explications n'étaient pas différentes pour un public des musiciens. Je crois que probablement vous n'avez jamais naturellement assisté beaucoup à des répétitions d'orchestre en privé, c'est-à-dire des répétitions d'orchestre sans public. Mais les répétitions d'orchestre ou les répétitions d'un groupe, enfin d'un groupe instrumental, quel qu'il soit grand ou qu'il soit petit, sont toujours des séances d'analyse, finalement. On ne répète pas du tout par hasard, je veux dire, on ne répète pas seulement dans l'ordre, on ne va pas essayer de monter l'œuvre de A à Z. On essaye en général de faire par une relation, en établissant une relation pragmatique entre les éléments, entre les articulations, on essaye justement de faire analyser au musicien l'œuvre sans lui dire que c'est une analyse. Parce que là, le vocabulaire serait de trop. Et d'abord, premièrement, il n'y a pas le temps de le faire, je veux dire, l'économie l'empêche, tout simplement, l'économie de temps l'empêche. Mais il y a aussi le fait que, au fond, ce que le musicien désire savoir, c'est vraiment la façon pragmatique d'agir en fonction de la structure ou en fonction de l'analyse qu'on en fait. Et finalement, c'est pour ça qu'il n'était pas difficile, finalement, de prolonger par quelques mots supplémentaires, si vous voulez, cette analyse de l'œuvre pour la rendre plus évidente, si vous voulez, à un public, parce que le public, lui, n'a pas à faire le geste que le musicien doit faire. Mais ceci dit, c'est le même genre d'explication, exactement. Et je dois dire que c'est une des choses les plus difficiles qui soit à acquérir. Parce que soi-même, quand on analyse, on a tendance, naturellement, à rester dans un vocabulaire, en effet, analytique, avec une espèce de jargon analytique. On a tendance à ramener l'œuvre, au fond, non pas à la structure pragmatique, mais à la structure de papier, si je peux dire. C'est-à-dire à la structure vraiment purement écrite. Et dans l'expérience que j'ai eue une fois d'enseignement, quand j'ai fait des cours de direction d'orchestre sur la musique contemporaine, il m'est arrivé, par exemple, de faire dans l'après-midi des analyses, et il y avait des garçons qui étaient là, qui suivaient ce cours, et qui étaient absolument très agiles du point de vue de l'analyse d'une œuvre. Ils savaient très bien l'analyser du point de vue du composition, j'entends. Et quand il s'agissait de faire passer cette analyse dans des termes pratiques, il y avait tout d'un coup un blocage. Ou alors c'était trop sommaire, ou alors il y avait l'utilisation de ce jargon de composition pour un musicien qui n'en voulait pas. Et qui n'en savait que faire, exactement. C'est pas qu'il en refusait, mais il ne savait qu'en faire. C'est justement cette espèce de transcription, ce que vous avez vu, c'est vraiment l'obligation, quand on a le devoir de transmettre la musique par un geste
matériel, l'obligation de pouvoir faire l'analyse sans mentionner le mot analyse et sans avoir aucun terme d'analyse. Plusieurs réflexions qui m'ont été faites ont dit que vous n'avez jamais employé, je crois que c'est par l'un d'entre vous du reste, vous n'avez jamais employé des termes techniques au fond pour analyser les œuvres ou pour analyser les fragments d'œuvres que vous avez présentés. Eh bien c'est justement en fonction de ça, c'est parce que je crois que dans l'interprétation, toute structure mentale se transmet par un geste et c'est cette façon de relier le geste à la structure qui est vraiment la fonction de l'interprète. Et en particulier là, de ce rassembleur de personnalités qu'est le chef d'orchestre dans ce cas-là. Merci.